Ouais, fait qu'avance, man. Et là, la tercelle. Eh, hey, ce modèle-là! C'est ça, man. Je l'ai déjà filmé une fois, là, mais. Check ça, man. Wow. Fait que, ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours pareil, là. Aïe, aïe. Fait que ça, c'est le genre de tercelle. Si t'aurais été tripeux de tercelle, genre début 90, t'aurais sûrement pas acheté une neuve, t'aurais eu ça, man. Aïe. Elle est vraiment malade, là. Ça se peut-tu qu'il était 4 pattes, ces modèles-là? Il y en avait, celle-là elle l'est pas, elle est automatique, bien triste. Mais il y en avait des 4 pattes de ça. C'est d'origine, ça? Ouais, ça, c'est une option d'origine. Mais genre, lui, il l'a peut-être rajouté par après, tu sais, c'est tout. Check ça, là, ça, c'est sûr qu'il coule. Parce que toutes les tops rajoutées, man. Toutes les tops comme ça, ça coule tout le temps. On va voir le top, mon gars. Ouais, on voit la bosse, man, ici, là. On la voit, man. Qu'est-ce que tu, le gars? Ben, moi je sais que c'est un Mexicain qui a ça, pis je pense que j'ai parlé une fois. Écoute, man. Oh! Fuck off, man. Oh non, man! Oh my god! Comment ça qu'il est pété? Moi je l'avais. Ça fait pas longtemps qu'il est pété. Regarde, il est rentré dans quelque chose ici de Mais. Oh my god! Ça fait pas longtemps, man, parce que moi je l'avais filmé il y a pas tant longtemps, pis il y avait pas ça. Fait que c'est triste. Check ici, il y a un autre vieux truck. Ça doit être impossible à trouver en plus. Ouais, man, extrême. Ici, il y a un vieux truck Dodge. Ça, c'est genre. Ça, ils ont fait le même modèle, je pense, de 60. Wow. Début 70 à 93. Check film de l'avant un peu. Là. Ah, je sais pas si on va être capable. Par les lumières, j'ai fait ça a l'air vieux. Par la tailgate, j'ai fait ok, moi, ça a l'air quand même très vieux. Par le devant, j'ai fait ok, ouais. Ah, non, c'est genre les vieux modèles. 70, tu m'as dit. Ouais, ben, ils ont fait ça de 70 à 93. C'est peut-être un 90. Mais ça, me semble, là, c'est un Mexicain qui avait ça. Puis après moi, il doit être né en 72 parce que c'est pas une 72. Puis check, genre, il y a des noix, genre, je pense, un peu, genre, modifiées, je sais pas. Me semble d'habitude, c'est le monde qui ont des mags qui mettent ça. Ouais. Plus ces petits trous, je, ça doit être genre du 13 pouces, ça. Ouais, du 13 pouces, même. Ouais. 155,93. Wow, ça fait longtemps qu'ils traînent les mêmes mags, man, celui-là. Ah, mais c'est roues d'origine, man, c'est roues d'origine. Ouais, mais même les modèles d'après, ils ont cette petite. Oh, Kev, il a fait des patchs avec son tercel, là, pis c'est l'argent de terre là. Attends, là, on dirait genre une patch de B5. Ouais, c'est ridicule. C'est tout petit, là. C'est ridicule. Mais ouais. Il y a une pomme en dedans. Fait que c'est ça, on va voir. Ouais, ben, écoute, c'était des rouilleux, pis c'est genre la seule rouille qu'il y a sur ce char-là. Hein. Fait que c'est ça qui est étonnant, pareil. Mais ouais. Fait qu'on va-tu en spotter? Ça a toujours été de même, là, coupé comme ça. Ouais, ça c'est d'origine. C'est vraiment spécial, mais c'est comme ça. Attends. Check ça, là. Check ça, comment ça finit, là. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai un trouble avec ça. Tu sais, je m'attendais à ça. Tu sais, tu comprends, là? Genre, là, c'est comme si mon bumper était shavé comme ici, dans ma chambre. Ça serait bizarre. Vive les. Ouf! Les tercelles. Ah, j'avais pas calculé le petit bout de gazon. Ouais. Mais bon. Aïe, aïe. Ça, c'est un Chrysler Newport 1970. Il a mangé tout le tour de culé, là. Ça là, ce monsieur-là, ça fait extrêmement longtemps qu'il y a ça. Mon père, il se souvient de l'avoir. Mon père, il est 46, il est vieux, mon père, là. On dirait un Charger. Ah, c'est la misère avec les modèles. Comment tu peux les reconnaître? Ils ressemblent tous, ils sont tous pareils! C'est ce temps-là, mais ouais, c'est un monsieur, ça fait extrêmement longtemps qu'il l'a. Puis, Plaqué okay, garde, ouais. Québec. Ouais, ben ça, c'est la plaque en avant, mais en arrière, il y a une plaque. Je pense que c'est la plaque, genre avec le petit sticker 92, là. Wow. Fait que ça fait un méchant bout. C'est énorme. Ouais, ça, là. Ça, l'expression, ça, c'est du char, là. Ouais, tout le monde m'écœure, man, moi, parce que, genre, mais t'as l'air, faites pas bien les ailes. Mais personne n'écœure, lui. Mais non, personne n'écœure, hein. C'est ce style-là. Écoute, mon char aussi, les tires, faites pas bien les ailes. Ouais, aïe, aïe. Grim. On va aller essayer d'en spotter d'autres. Ça, donne-moi les détails, parce que ça, c'est un autre char que j'ai aucune idée c'est quoi. C'est un Ford F-150, peut-être un F-250. Jackie. 70. Ouais, Jackie, là. Okay, il était pas tout de même. Là. Non, non, d'origine, mais ça doit être des options d'origine, mais genre. Il a collé à sa mère! Il aurait pas survécu. Puis moi, j'aime bien la couleur qui ressemble un peu à mon char. Moi, j'aime bien le fait que le top de mon char arrive à peu près à son aile, là, ici, là. Ouais, ouais. Environ, là. Ouais, il est vraiment cool. Sur mon bord, il y a une Mini Cooper. Wow, la Mini Cooper! Ça, c'est une Mini des années, genre... 80 environ, là. Mais Mini Cooper, tu sais, c'est allemand. Moi, je connais moins ça. Ça, tu mets ça en dessous de ton bras, puis tu pars avec, là, genre.
Clairement. J'ai déjà vu, man, deux gars, ben, genre, leur virer de bord, tu sais, dans un parking, là, mettons, ouais. Tu sais, parqué comme, comme celui-là, là. Ouais, puis ils l'avaient juste reviré de bord, man, dans le parking, puis ça, c'est quand même assez quand t'es en shape, là. Mais ouais, ça, ça c'est un truck, genre, des années 70-80, Ford F-150 environ. Ça doit être un 79, d'après la plaque. Wow. Ça doit être un 79. Le monde est fort, ces vieilles plaques, ici, hein. Il y avait ça, c'est ton char. Hein. Ouais, ouais. Il y avait ça, c'est l'autre char, là-bas, puis. Les vieilles plaques du Québec. Si, un Vogue 1900 environ 91. Ça, c'est le même modèle que dans Fast and Furious. Celui. Il y en a un plus vieux. Celui de reculon, ben ouais, c'est. De reculon, c'est le même modèle que dans Fast and Furious. Où est-ce que le fameux memes avec. Quand il se promène pas d'étrier, il break en ouais, course. Ouais, ouais, en course contre le japonais avec sa S2000. Puis en arrière, ça, c'est un modèle un peu plus vieux, 84 environ. Là, je fais un approximatif. Puis c'est une Jetta aussi. Puis c'est ça, là. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont là. Ils prennent les liens sont des fois ou? Non, jamais. En jamais. Une Westfalia. Oh, la Westfalia! Qui était là, puis tu check si tu zoomes un peu. Il y a un Civic âgé ou? Non, 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 c'est une Vaux. Un autre Vaux. Une Golf. Quatre portes. Ok, ouais. Et ouais. Aïe, une Westfalia. Ça, je savais pas qu'il était là. La Westfalia, le gars, il trippe vraiment à Vaux, c'est hâte. Ouais. Là, je trippe pas ses Vaux, mais je vais dire c'est hâte. Nous, quelqu'un qui trippe. Quelqu'un qui trippe, moi, j'aime ça, tu sais, là. C'est ça. Puis, t'aurais pas dû arrêter ici. Ah bon, bingo, t'as pas arrêté. Dread Sit, là, il y a un. Je sais pas si va être là. Il y a un Chrysler ouais. Newport. Ça, c'est un Chrysler. Non, ça, c'est un New Yorker. C'est dans la même gamme que l'autre char, dans le même style, dans les mêmes années. Il est à vendre. C'est le modèle R. Il est à vendre. Ouais, ça fait extrêmement longtemps qu'il est à vendre. Je pense qu'il demande genre comme 9 000$. Ok, y a-tu le prix dessus? C'est quand même cher. Je sais pas. Mais... juste parce que s'il y a le prix dessus, là, faut genre que j'aille montrer le prix. Juste parce que, genre, c'est quelqu'un qui le voit et qui veut l'acheter, genre, faut que j'y fournisse les détails. Ouais, là, ben, on peut être. Mais si ça fait 6 ans qu'il est à vendre, ça veut dire qu'il non, sera pas vendable. Non, personne, c'est pas vendable. Mais ça, c'est un 74 à 78, puis on fait ces modèles-là de New Yorker. Puis, c'est ça, là, il y a des fogs, il y a des lumières à brume, tu sais, des trucs de même. Vraiment cool, avec les Fender Skirk en arrière, tout le kit, top de vinyle. Ça, c'était un char de choix dans le temps, tu sais. Hey, sérieux, le devant, il a l'air d'un derrière. Ouais, en effet, ça a l'air des derrière. C'est fou. Derrière des Lincoln des années 80. Ouais, ouais, ouais. Ici, là, je pense qu'il y a un Pontiac Sunbird, il est encore là. Oh non, merde, fuck. Penses-tu qu'il est le même depuis là ou que c'est tantôt, tantôt peut-être? Parce tantôt dans la wave. Regarde de pas avoir sorti avant. Dans la wave, peut-être. Ah, c'était quoi ce trou-là de merde? Ce trou-là, c'est en fait quand même vite, pareil. Tu vois que c'est brette sur moi. C'était trou-là. Ouais. T'es en train de me dire, j'ai pété mon body kit pour de quoi qu'il y a même check, pas deux. On voit la couleur. Oui! Ah! Ça, c'est triste. Honnêtement, le trou qui est là, là. La profondeur de ça, là, ok? Mais, c'est parce que c'est peut-être pas. Mais oui, il a frotté là, mais est-ce que c'était tout à l'heure? Mais c'est peut-être tout à l'heure. Oh, shit! Ben non! Oh ben God. Non! Hey, je suis désolé pour toi, man, pour vrai. Aïe, yo, man! C'est triste, hein. What the fuck, c'est ça? Ah, c'est ça, des bumpers en fibre, c'est tout le temps la guerre à les réparer à ben tout bout de champ. Ben, ça tient quand même bien, là. Ben, au moins, il était ça. Tu sais, parce qu'il tient par ici, puis il tient par ici, fait que c'est correct, mais check, ici, il a cassé et tout. Oh, ici, là, il est à côté là-dedans. Ah. Mais, c'est tout à l'heure, ça, l'affaire, man. Il est shit, man. Ça a l'air solide, quand même. Mais, genre. Ouais, ben rip. Hey! T'as-tu du tape? Dans ta sacoche, le gros? Non, excusez, j'ai rien. Non, tout le temps ça, mon genre. Parce que quand j'étais jeune, je disais à ma mère, t'as-tu un crayon dans ta sacoche? Quand on allait au resto pour dessiner, hein? Puis à un moment donné, j'ai commencé à dire ça à mon père, t'as-tu un crayon dans ta sacoche? Tu sais, je trouvais ça. Ah non, man, j'ai fuck off. Tu sais, quand on pourrait mettre un petit bout de tape, ça paraîtrait moins. Ouais. Le gars, il est crissement pas convaincu. Man. Non, mais de même, ça a l'air craqué, là. Mais genre, de même, ça a pas de l'air craqué, tu comprends? Non, pour vrai. La police n'y verrait que du feu, man, quand tu passes à 60 devant en avant d'elle. Oh. Hey! Faut que je vous conte un secret! Non, laisse pas marcher, même faut que tu le laisses dans la rue! Laisse-les là, comme ça, quelqu'un va marcher! Faut que je vous conte un secret! J'étais en train de drifter dans la rue, je l'ai échappé, j'ai continué mon chemin, puis une minute après, la police a contre-sens. Ça veut dire que si, genre, je l'avais pas échappé, j'aurais été en train de drifter pendant que la police passait. Ça, ça aurait été. Sauvé par la machine! Sauvé, man, parce que j'avais pas de talent pour drifter. Une chance en hostie. Ouf! Il doit être proche d'avoir qu'on crisse notre camp, hein?